Messieurs, madame, bienvenue à bord. J'espère que vous allez avoir les jetons heureux ce soir, parce que moi, je me sens en pleine forme. Vous savez, la chance est moi, on ne s'est jamais quitté. Bon, c'est pas tout ça, mais je commence à avoir le gosier bien sec. Je prendrais bien un pur malt avant de vous plumer. Ils m'ont pas de souper, mon mec. Est-ce que j'ai une gueule de tiroir caisse? Oula, mais on a une tigresse, c'est ça. Oh, toi, le lapin désert, garde la guimauve pour tes hôtesses. Bon, ça vous emmerde si on joue? Oula, soyez pas si impatient de toucher le fond de vos poches. Ce soir, c'est moi qui ramasse, et ça sera pas la première fois que je toucherai le pactole. Ah ouais? Parce que c'est la rondelle que dans la main, t'appelles le pactole? En tout cas, c'est pas avec la tienne que je toucherai de l'or. On changeait peut-être mes couches quand t'écumais les bordels, mais mes doigts savent encore compter. Quand je parle de pactole, tu peux rajouter quelques zéros. C'est dommage, si mes partenaires avaient la bonne idée de se pointer, on pourrait vous mimer la totale. Bon allez, on récapitule. Viper, qu'est-ce que tu fais quand on sort de la banque? Et on la tire, et on se casse. Ok, voilà, tu vois, c'était pas compliqué, c'était pas la peine de pleurer. Bon, Gringo, toi tu... Je prends l'argent! Tu prends l'argent, voilà. Et cette fois, on prend tout l'argent, hein. Attends, quoi? C'est bon, c'est pas... tu vas pas remettre cette vieille histoire sur le tapis. Ok, on n'a pas pris l'argent. Mais avoue quand même que l'idée était géniale. Bon, Gringo, allez, fume-moi le flingue, fous ta cagoule, et pose ce putain de paquet de pistaches. Ah! Quoi? La crise. J'ai plus de pistache. Gringo, tu fais chier, allez, on avance. C'est bon, ça va aller, là? Caramba! Eh bé. Et alors, toi et tes copains, vous êtes repartis avec trois bifetons collés aux miches? Toujours aussi de l'amour, Missy. Ne t'en déplaise, cette fois-ci, je ne suis pas reparti en tenue d'Indien. Ouais, on a dû frôler le casse du siècle avec une équipe pareille. Monsieur a peut-être la main verte pour faire pousser l'oseille, mais moi je vais directement chercher la pomme sur l'arbre. Je laisse aux soins, aux autres de cultiver. Effectivement, j'adore moissonner. Mon arrosoir, il s'appelle Smith et Wesson. Vous avez eu de la chance jusqu'à maintenant, mais ça s'arrête ce soir.